Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode sur Supermarket Cible Tour. Et donc du coup aujourd'hui, j'étais en train de remettre en rayon gentiment, j'avais déjà préparé mon bordel et tout. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire l'extension. Alors je vais déjà payer mes factures pour commencer, parce que je dois en avoir, voilà. Alors donc pour le moment, je regarde, on a un petit carré tranquillou. Qu'est-ce que ça va donner là, l'extension? Agrandir 4 par 4, ok. C'est tout des 4 par 4. Ah oui, on peut finir gros, 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 gros. Oh, cool. Cool, cool, cool. Alors, 350 balles. Hein. Ce qui nous donne ceci. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, attendez. Est-ce que je peux en mettre un là? Pas du tout. Si. C'est pas trop. C'est là, on peut pas à cause du trait là. Oui, c'est ça. Donc je peux pas faire là, en gros. Ok, bon, peu importe, c'est pas grave, il y aura un petit... Ok. Ah ouais, mais le fait de coller là, est-ce que je vais pas être embêté là, attendez. Si. Est-ce qu'il vaut pas mieux de faire ça? Plutôt. Ah, je voudrais voir combien je peux en mettre. Maurice, Michel. À votre avis, est-ce que je peux en caser encore ils sont pas placés exactement comme il faut, mais bon, merde. Hein. Est-ce que je peux en caser encore deux? Ce qui m'arrangerait grandement. Ça n'a pas bougé niveau de mon espèce de réserve que j'ai fait. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est comment je vais me démerder. Si, peut-être. Alors peut-être. Alors attendez. On va je vais l'organiser autrement. Ah oui, je vais faire le chiant. Je vais faire le chiant, évidemment. Parce que j'ai assez de place dans mes rayons pour faire ce que je veux aussi. Peut-être. Peut-être pas. Je veux mettre les hippotes ici. Mais je veux mettre les hippotes, mais... vous allez comprendre. Ah oui, je vais faire mon casse-couille, évidemment. Voilà, je récupère ça. Le café, est-ce que je peux le récupérer? J'ai plus de réserve. Est-ce que j'ai du café ici dans le bordel là? J'ai pas dû le prendre encore, attendez. Je vais faire mon chien. Je vais faire mon chien, vous allez voir. Je vais surtout tout mettre là au milieu parce que autrement après je vais être du père. Je sais pas si j'aurai et la thune et la place. C'est pour ça que c'est un peu embêtant. Alors, attendez. Il me faudrait un café, un chocapic, un huile. Et après, on verra. Un café, un chocapic, un huile. Pain de mijé, oui. Susu. Du susu, j'en ai. Un café, un chocapic, un huile. Attendez, on va déjà prendre ça. On verra après. Ah, vous allez voir, je vais péter les couilles. Hein. Un café, un chocapic, un huile. Café. Voilà. Bon, tant pis, je passe une commande pour 3, mais... Alors, il me faut le café, voilà. Évidemment. Pose ça où tu voudras, on s'en fout. Voilà, pour le moment. Le narvalo. Ensuite. Je vais... jeter mes potes. J'ai plus besoin de carton de pâte normalement. Ici, on peut mettre l'huile. Alors, where is the Chocapix, man? Ils sont là, les Chocapix, man. Ah oui, bah oui. Mais j'ai tout coincé. J'ai tout coincé, bordel. Nick. De bah, toute façon, il va bien falloir que j'achète ce que je voulais. Alors, attendez. On va acheter. Ça. Voilà. Oui. Voilà, je vais profiter. J'ai un peu d'argent. Vous voyez. J'espère que je peux en caser les deux, sinon c'est caca. Attends, parce que je fais que de branler, putain. Là. À peu près, hein, c'est bon. Donc j'ai dit. Les chocs qui piquent. Les chocs qui piquent, man. Voilà, là c'est bon. Ça, on verra après. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis là?
J'avais mis quoi en dessous là? Peu importe, là, il y a quoi? Il y a le narvalo. Le narvalo. Est-ce que j'ai encore du narvalo? J'ai encore du narvalo. Donc, faudrait que je ramasse mon thé, mais je ne peux point. Vas-y, pause, pause, on verra après. De toute façon, c'est pas dramatique. Pause le bordel, on va mettre le narvalo là. Le narvalo là. Est-ce que je peux ramasser ma fafa? Ma farinsme? Oui. Normalement. Oh, quel bordel à cul. J'ai essayé sans, hein, juste à la main, mais ça passe pas. Malheureusement. Donc là, on va essayer d'y mettre le susu. Donc, il faudrait que je récupère encore du thé. Ça, on verra après. Le pain de mie. Peut-être pour le récupérer, le pain de mie. J'en ai, oui. En fait, du pain de mie, il y en a beaucoup là. Mais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas casé? Ben, la farine. La farine, le pain de mie, on va mettre. Donc il me refaut l'autre étagère. J'espère. J'ai mis un carton juste où il fallait pas, évidemment. Évidemment. Il me refaut l'autre étagère. Je vais bouffer la commission avec vos conneries là. Ouais, mais au moins je suis quitte de remettre en rayon tout le temps. Parce que là, je commence à avoir pas mal de monde. En clientèle. Et non! Mais dans ce sens-là. Oui. Oh, jouis. Alors, là, alors attendez, là je vais mettre du thé, on va récupérer parce que là il y a des endroits où j'ai deux fois trop de trucs en plus. Ok, je repose tout ça. Tant que j'ai pas acheté la licence, ça va. Bah oui, je suis bon, moi je peux encore là. J'ai plus de thé nulle part. Impeccable. Je vais pouvoir commencer à acheter les cartons. Qu'est-ce donc? De l'huile. Je vais pouvoir commencer à acheter un peu de bordel. Ensuite, qu'est-ce que j'avais là? Du comté, mais ça on verra après. Ça c'était quoi? Le susu. Le susu, je le case ici. Ensuite, est-ce que j'ai un autre susu? Qu'on fasse au moins un peu de place parce que. Je m'y perds, je m'y perds. Ensuite, qu'est-ce que je peux dégager de la farine? Where is the farine? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Des champignons. Le narvalo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau à dégager? Le pain de mie. Je l'ai casé, oui, je l'ai casé. Très très bon ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Les choux qui piquent, que je vais mettre là. Voilà. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. La farine. Oh, j'ai encore du thé là. Ça, je n'en avais pas. J'en avais pas beaucoup, tiens. Ok. Et donc du coup, il me reste que des produits au frais. Non, j'ai des pâtes encore. Normalement, j'ai tous mes produits de base. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, frigo, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4 articles. 1, 2, 3, 4. Donc, il me faudrait une étagère. Arrêtez de sonner, là, ça saoule. Enfin, un réfrigérateur. J'allais dire avec un peu de chance, je peux tout caser ce que je voulais, mais pas du tout. Bon, on va avoir le même problème ici. Allez! T'as lâché ta chiasse? Alors attendez, on va mettre le lait ici.
Le lait, il est trompeur, je trouve, dans les cartons, parce qu'il y a un rang que tu vois pas à la fin, et c'est le bordel. Voilà, c'est ce que je disais tout de suite. Bon, le lait, c'est fait. Le lait, il est lait. À côté, on va mettre les nœuds. Les nœuds de poule. Les nœuds de coque, même. Là, j'ai pu. Ok. Qu'est-ce que j'ai pris? Ben, l'eau. L'eau, on va la mettre là puisqu'elle est déjà là. Et donc, du coup, normalement, ça sera pas mal. Et j'ai encore de la thune. Et oui. Mais j'ai peut-être manqué de place. Alors, est-ce que d'après vous, je fais les stocks? J'achète ma licence ou j'agrandis? J'y réfléchis. Est-ce que je fais les stocks? Ce qui serait déjà pas mal en soi, parce que si j'ai pas assez de thunes après, on s'en fout. Donc il me faudrait 2 œufs et un lait. Alors attendez. Je sais plus ce que j'ai dit. 2 œufs et un lait. C'est où les œufs? Et mais attendez. Non, non, j'allais dire une connerie, c'est bon. 2 œufs, un lait, l'eau, bon, on est bien. Il me faudrait 1, 2, 3 comtés. Le 3 comtés. Là, on serait bon. Ici, il me faut 1, 2, 3 chocapixmes. Ça va me coûter cher tout ça. 1, 2, 3 chocapixmes. On va reprendre un thé. Et de toute façon, je peux pas commander plus. Donc c'est parti. On va décharger la cargaison. Je sais plus combien j'ai pris de comté que deux, hein, je crois. Ça c'est du thé. On va essayer de faire juste avec les rayons pleins sans stocker pour le moment. On va voir ce que ça donnera au bout d'une journée. Les œufs. J'aurais pu en mettre un de plus. Mais parce que j'oublie tout le temps qu'on peut mettre en bas aussi. Oh putain, vous êtes chiant là, merde! Laissez-moi tranquille. Oui, je dis ça alors c'est le groupe, hein. Ça doit être les autres, je pense. Est-ce que j'ai pris 3 chocapixmes? J'avais pris 3 chocapixmes. Donc j'aurais du rab. C'est pas grave. Pas beaucoup, d'ailleurs. Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais un petit peu. Du comté. Oui. J'en ai pris un autre encore. Des œufs. Ah non, j'avais bien pensé aux œufs. Très bien. Commence à faire des stocks pas croyables. Du laitage. Je crois qu'il a pas tout vidé. Oh putain, mais il me pète les couilles. Je vous jure. Arrêtez 2 minutes. Du comté. Voilà, bon, c'est quasi plein. Hein. Un pain de mie, un farine. Deux susus. Un pain de mie, un farine, deux susus. Un pain de mie, un farine, deux susus. Ensuite, deux cafés. Deux pâtes, deux huiles si possible. Ça devrait passer. Deux pâtes, j'aurais du rab, mais. Ok. Je les mets sur silencieux. Je sais pas ce qu'ils ont coincé dans le huc. Du coup, est-ce que en ragrandissant. Enfin, est-ce qu'en reprenant une licence, j'aurais besoin de ragrandir? Et si c'est le cas, est-ce que j'ai les fonds? Parce que bon, là on est large encore, hein, mais ça va pas durer. Des panzati. Que j'ai pris en rab encore. Eh oui, et je commence mon delbord. Alors je faisais comme ça en plus, hein, hors ligne. J'avais un bordel de carton juste avant. C'est pour ça que j'ai décidé de ragrandir. De toute façon, c'était prévu de ragrandir, mais j'ai décidé de mettre un rayon complet.
une hauteur complète en même produit parce que vous verrez comment que ça part, c'est terrible. Susu. Je ne m'appelle pas Susu. Si. Ah bah j'en ai pris deux, con du cul. Ah non, moi j'avais fait exprès peut-être. Bon. Ouais, mais si je remets un rayon là, en quel est le bord du cul. Je vais tout pousser les cartons avec mes conneries. Un narvalo. Du café. Du waddles. Eh ben voilà, on est pas mal. Bon, il y en a un de trop. Alors. La licence, elle est de chair. Je crois que c'est pas 10 produits qui vont dans le frigo. On va essayer, on verra. Alors, licence, c'était 400 balles. Donc, du beurre de cacahuète, ça va pas au frigo, ça, si. La farine, d'huile d'olive, des spaghettis, du riz et du sel. Alors, attendez. Ce qui nous rajoute, j'ai pas regardé, évidemment. Ce qui nous rajoute. J'ai pas vu. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Ce qui veut dire que je mets 2 produits par machin, il me faudrait 3 étagères. 2 étagères, pardon. C'est ça, hein. 2, 4, 6. 2 étagères, j'ai pas la place pour les mettre. Ah, peut-être que si. Attendez. C'est reparti. 1, 2, rabat ta queue. Alors attendez, parce que comment je vais me démerder? Je peux en mettre une là. Viens voir ici toi. Ça va être juste quand même. Tu vas chier ta chaise là? Je vais pas y arriver. Si. Donc là, ce qui me ferait bouger. Viens voir, toi, andouille. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des produits qui vont au frigo que je récupère. Ce qui est déjà pas mal. Alors, attendez, parce que... Putain, mais... J'ai bien du mal, c'est terrible, ça. Là. Je peux... Mon neveu... Et là, bon, ça fait un peu manouche, mais peu importe. Ok, donc normalement, je peux tout rajouter. Maintenant, il me suffit d'acheter c'est combien? C'est 12. On en place 12 par machin. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de chaque. Et après on verra, j'aurai encore de la thune. Putain, j'aurais pas cru. Hein. Alors, le sel. Oui, ça remplit un machin par un machin. Que je sois sûr. Juste cru. Oui, c'est ça. Basmati. Certo basmati. Qu'est-ce donc cela? Des spaghettis. Là, c'est pareil. Est-ce que ça va être tout pareil? Mais j'ai calculé comme un sagouin. Comment j'ai compté ça? 2, 4... Mais oui, j'ai pas compté comme il faut. Moi, oh, je suis un imbécile. Serrez-vous, là, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi je suis pendu dans la porte? Oh, j'ai pas compté comme il faut. Oh, le... Oh, du cul. Oh, le cul. Merde. J'ai pas compté comme il faut. L'Indien du village. Je peux pas tout caser. À part si je mets le frigo vers moi, là. Parce que là, je peux pas mettre ça là, donc ça à la limite ça me dérange pas. Ici on peut pas l'atteindre. Donc soit je fais ça. Je pense que je vais pas avoir le choix surtout. Mais. Ouais, j'ai pas trop le choix, hein, parce que là, si à la limite je le mets derrière moi, ici, mais c'est pas. C'est encore pire quoi. Putain, j'aurais vraiment pas de place. Et ça, ça rentre à moitié dans le machin. Bon, écoutez, ça fera l'affaire en attendant, et puis c'est tout. Mais comment j'ai compté, moi?
Là encore autre chose. Moi qui suis si fort en calcul d'habitude, j'arrive pas à compter jusqu'à 6. Vous avez déjà vu un âne, vous? C'est moi l'âne, évidemment. Bon alors, attendez, trêve de blablaterie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tchac. Ouais, donc 6, 9. Donc il me faut 3 tchac. On y retourne. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je peux en prendre qu'un. Quel âne du cul. Je suis vraiment un âne. Qu'est-ce donc? De l'huile. On va peut-être réussir à ouvrir au moins une fois dans la journée. Ce qui pourrait être sympa. Ma force à force, à mon avis. Je vais avoir besoin d'un salarié. Et nous sommes level combien? 14 quand même. Ah, je t'ai fait un peu, hein, t'as vu? Je fais pas que de branler le toutou, hein. Y a pas que le toutou dans la vie. Il commence à avoir du pognon là-dedans. Hein. Pas qu'on se fasse braquer, hein, Dieu. J'aurais même limite, j'aurais pu rallonger. Hein. C'est vrai que j'ai fait la rap, mais j'aurais pu rallonger, je pense. Une double extension et tout, là. On va regarder, attendez. Comme ça, on fait la vidéo sans aucune journée de boulot. Évidemment. Je vais déjà tout mettre en rayon, on regardera après. Alors, ici. Faut que je fixe les prix aussi, faut pas oublier. La farine. Ça va me prendre une éternité pour remettre en rayon à chaque fois. Voilà. Donc il me faut. Donc la farine c'est fini. Le beurre de canaouette c'est fini. L'huile c'est fini. Donc deux spaghettis et les autres c'est trois. Deux spaghettis. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. J'espère que j'ai encore. J'ai réussi à compter quand même parce que vous savez. Avec moi on sait jamais. Donc du sel. Le sel. Alors, je pense pas que le sel ça partira à ce point là quand même, mais bon. Bon, normalement j'ai fini de dépenser mon argent dans les produits. Je vais peut-être bien le dépenser dans de la place. Bouge ton huc toi. Le sel. En plus c'est 700 la prochaine amélioration. Donc... Hop. Il plane dans le slip. On va quand même se faire une journée de boulot pour voir un petit peu quand même. Essayer en tout cas. Les stabeki. Qu'est-ce qu'il m'a fait, mon ami en bas, l'Indien du village. Les stabeki encore. El stabeki. Les lutus cru. Lutus cru. Hop, hip. La main dans le slip. Du riz basmati. Alors. On se fait l'extension, allez. Allez, en avant. Extension. Est-ce que j'ai payé mes factures? J'ai payé mes factures. C'est pas ça que je veux, c'est agrandir 750 balles. Ah, là, ça va commencer à causer parce que c'est 1300 la prochaine. Hein. Bon, alors, attendez. Risque de piou-piou. À la limite, vu qu'on a de la place, hein, moi, c'est... On va y aller gentiment. Hein. Ah, finalement, ça m'offre... Ça m'offrira pas tant de place que ça en aura parce que ça me fait un bacu là. Bon, c'est très mal organisé hein, là pour le coup, mais ça me fait un espèce de bacu. À part si. Mais mon. Mes couilles, pardon. Excusez-moi, mais mes couilles à un moment donné. J'en ai marre de toi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le sel et moi. Bah si je fais ça, ça fait peu. En attendant, au pire, ouais, mais bon. C'est pas ouf, quoi. Puis ça passe toujours pas, donc non, mais non. C'est non. Toujours pas, hein. Toujours pas. Et puis si on mettait en travers... Non, mais je fais un truc original, moi, vous voyez. Si on mettait ça en travers comme un vrai cochon. Ah, toujours pas non plus. Peut-être t'es dur en affaires, Mauricio. Hein. Quel casse-pied du cul. Mais place là ta merde là. Voilà. Du coup, ce qui me permet de récupérer ça.
Oui, alors j'ai fait aucune logique de bouffe, de machin, de truc, hein. On verra plus tard. Hein. C'est bon. À un moment donné. Ouais, on peut laisser ça comme ça, c'est pas dingue, mais voilà quoi. Allez, en avant Guingamp, Uberto. Hop, on va se mettre sur le marché quand même, on ne sait jamais. Viens dit, acheter mes produits, bande d'Indiens. Bon, du coup, comme c'est... comme je viens de shooter le carton, comme c'est plus grand, est-ce qu'on aura plus de clients à la fois? Parce que là, je crois que j'ai dû me retrouver avec 5 à la fois, au même moment. 4 ou 5 à la fois, je crois, au même moment. Est-ce qu'on en aura plus, étant donné qu'il y a plus de place? On ne sait jamais. Des fois que... Ça vient, change pas de machin que ça vient. Attendez, je me dépêche de rouiller. Est-ce qu'il y a deux monsieur qui entrent? Allez-y, achetez mes produits, bande d'Indiens. J'ai pas fixé les prix, je suis un singe. J'ai pas fixé les prix parce que je suis un idiot. Oui. 7. J'arrive, hein. 7. 7, j'ai dit. Ici, c'est combien? De 17, 2,50. J'arrive, messieurs, dames. J'ai déjà fait du caca, excusez-moi. Le beurre de canaouette. 5,40, 6. 6. Et puis là, 6,78, 7. Je suis là, Julien, je suis là. Monsieur de l'huile. 0,2, youpi. Je sais pas comment je me suis démerdé avec mes 0,2, mais... 30,96. Ah, mais c'est parce que j'ai pas touché au prix. Quand il est intervenu, le monsieur. On propose des nouveaux services et tout. Massage sexuel. En même temps. Ouais, Dieu, mais il y en a, ils commencent à faire la course. 4 monnaies. T'as mes spaghettis, Jean-Michel? 6,20. Oh, c'est chiant. Ne bouffez pas tout le rayon en même temps. Alors, je suppose qu'à un moment donné, il faudra que je rétrécisse un peu les marges. Histoire que tout le monde soit content, parce que là, il y a certainement des gens qui vont trouver ça trop cher, machin et tout. Et là, c'était pour doser par rapport aux clients qui vont se pointer pour voir si j'ai assez dans les rayons sans refaire le plein ou si je vais être obligé de passer à la casserole et d'avoir un salarié, quoi. Putain, il y a du monde ici, là. 60-30. Vas-y, ma poule, suivant. J'aime l'entendre ce bruit. Tu vois, au moment où tu refermes la caisse, là, ch'ting! Ah, ça c'est bon, ça c'est un bon bruit, j'aime ça. Celui-là, j'aime un peu moins, mais ça fait le même bruit quand même. Est-ce que ça part? Ça part bien, mais j'ai du stock. Vous allez pas me baiser la gueule comme ça, hein, à un moment donné. 27 €. Ch'ting! Ch'ting! J'ai encore du pognon, on peut y aller, vendu! Toi, t'es pas vilaine, coquine! Cinquante, remplissez moi les fouilles là, parce que j'en ai besoin, hein, ce coup-là. On veut du pognon, des sous. Monsieur, 21 €. Au revoir. Madame, des sous. 1 €. Au revoir. Dinar. Bon, est-ce que je peux me débarrasser de mon turc? La personne prend du turc ici, c'est terrible. Ah, la farine est bien partie là, ici. Hein. J'arrive. 12 €. Ah, pardon. Mon huile, elle part bien, mon Dieu. Du beurre de canaouette, ça part. Hein. Ding!
jamais entendu ce bruit. 16,50. Il y a des petites commissions, madame. Pour manger le soir devant la télé. Qu'est-ce qui me gêne là? Il y a encore un carton? Non. J'ai cru. Là, je vérifie quand même si ça part pas trop non plus parce que. Des fois que je suis obligé de passer une commande en cours de route. Non, mais s'il faut que je mette un rayon par produit, on va jamais s'en sortir. Hein. Un 50. Suivant. Un peu de force, j'allume la lumière. Un. Madame. Où était 33. Oh l'enfer. Madame. Madame, monsieur, monsieur, dame. Un. Impeccable. Ah, j'ai pas mis de lampion. Il va falloir que je m'y mette ça. Ah oui, il va falloir que je mette 2-3 lampions. 38. Sting. 10 sous, 10 sous, 10 sous, des moi 10 sous. Bien la ginette. Hop. T'as vu, j'ai étendu mon magasin 2 fois. J'ai étendu mon magasin 2 fois. J'ai plein de petits carrés, j'ai un gros carré avec une bite au bout. Combien? Argent, 5,40. Merde! Zut, flûte, crotte, shot, je sais plus comment on fait. Nick! Je sais plus. Si, c'est ça. Mais, je suis bourré. Voilà. Un. Monsieur. Quel con qui a mis des virgules aussi. C'est moi, évidemment. Faut que je rajoute de la lumière là-bas, j'ai oublié. Mais des plafonniers. Putain, on a fait du pognon. On a fait du pognon de dingue, comme dirait Macron. Allez, suivant. Dépêchez-vous. À compter. T'es pas un peu comme Juju, toi. Hein? Ah, c'est 5 euros le compté, c'est moi qui ai fixé le prix, c'est cher. C'est des dollars? C'est des dollars, oui. Mais t'es des malades, mais c'est cher. Écoute, je suis les cours du marché et je fais ma marge, hein. Je suis un magasin, c'est comme ça. Hein. 13 euros, dinars, dollars. 59, impeccable, au revoir, merci. Il n'y a plus qu'à rajouter mes conneries, il faut que je mette de la lumière absolument parce que ça va commencer à se voir. D'ailleurs, j'ai vu le truc tout à l'heure, mais je ne sais plus comment on fait, faut que je regarde. Et après, on s'arrêtera là, messieurs, dames. Ah, lui, il n'est pas parti tant que ça. Attendez. Where is the plafonnier? C'est là. Attendez, parce que par rapport... Là, il y en a 4, j'en rajoute 2 et j'en mets combien à 4 là? Oh, ça fait beaucoup, 2 là. Donc il m'en faudrait 4 en tout. J'en ai pris combien là? 1, 2, 3, 4. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Attendez, est-ce que je peux commander ou est-ce que c'est... Ménic! Attendez. Il y a marre. Ah, les céréales ont monté et le café a descendu. Je vais déjà m'occuper de ça avant d'oublier. Puis après, on va s'arrêter. 7,50, allez. Et puis le café, on a dit. Le café, il fait le café. 8,36, on laisse à 9, c'est bien. Mes plafonniers, s'il vous plaît. Et le plafonnier. Ça va se placer comme ça. On peut pas aligner par rapport à l'autre, parce que c'est vrai que sinon... moi, en termes d'alignement, je suis mauvais, quoi. Hop. Hop. On en met un là et un là. Merde. Zut. J'ai pas regardé le résumé de la journée d'ailleurs, mais peu importe. Eh ben voilà. On s'est pas du tout aligné, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour aligner. Hein.
Je suis pas aligneur, mon boulot c'est pas aligneur. Putain, les céréales sont pas parties du tout, quoi. C'est la Moria. Mon café, Narvalo. C'est où Narvalo? C'est là. Attendez. On remet en rayon. À peu près correctement, hein. Le lait. Where is the lait? Je ne sais plus où je l'ai mis. Lui, c'est pareil, il est pas parti, mon lait. Pourtant, c'est du bon lait. C'est du bon lait. Elle est pasta. Elle pasta bonita. J'en ai déjà plus, là? Ben là. Ok. Eh bien, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui, messieurs, dames. Yes. Le prochain coup. Alors, on a un peu de place, oui, non, mais il faudrait que je mette les rayons comme ça, en fait, je pense. Je vais les mettre comme ça, donc je pourrais rajouter un. Et on va dire un rayon là, et après c'est la Moria. Hein. Peut-être un au fond, là ça ferait un, deux, un là au fond. Donc je pourrais en rajouter deux. À la limite, si je suis vraiment coincé, j'en mets un là. Donc le prochain coup, on tâche de s'acheter une nouvelle licence. Je vais payer ça. Les licences, c'est quoi? Celle d'après? Du jus d'orange, du Coca-Cola. Du zap, du biojuice, du lait et du soda. Donc ce sera que du réfrigéré le prochain coup. Ok. Eh bien écoutez, voilà, 550 balles. Et si on a besoin d'agrandir, donc si je fais ce que j'ai fait jusqu'à présent, 2, 4, 6, donc 3 étagères, non 2. Donc ce serait 3 réfrigérés. Ce qui ferait que j'aurai assez de place ici. Peut-être que je mettrai le réfrigéré ici, on verra. Donc une licence, 550 de sûr, et puis 1300 pour agrandir, donc cher. Allez, on arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao.